Voilà, aujourd'hui, on va revisiter un classique, le jambon melon. Donc voilà, là j'ai fait une préparation, jambon, tomate, échalote, vinaigre balsamique blanc et huile d'olive. Là j'ai mélangé tout ça, hop, et voilà. Je vais tout mettre ça dans un emporte-pièce. Voilà. Alors, on est toujours habitué à manger du jambon melon comme ça, avec des tranches de jambon posées délicatement sur le melon. Là on va essayer de faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc je mets ma préparation dans l'emporte-pièce. Je tasse bien, sinon quand je vais enlever le cercle, ça risque de tout tomber. Donc voilà. Hop. J'écrase, mais pas non plus pour que les tomates restent quand même entières et non pas juteuses. Voilà, on y arrive. C'est assez simple à faire et puis rapide. Voilà, quand on démoule, on fait attention de ne pas défaire. Ça a tendance à tomber. Voilà. Ensuite, je mets le jambon, le melon comme ça que j'ai coupé en demi-étoiles. On va en mettre 6, 5, une étoile, ça fait une branche. Oui, oui, un peu de balsamique. Non, non, je suis en train de faire une vidéo. Pas de soucis. Un peu de vinaigre balsamique, de la crème de balsamique, c'est très bon avec le sucré. Et j'ai fait une petite fleur en jambon, en melon, pardon, en melon que je montrerai plus tard comment on l'a fait. Alors on va voir ce que ça donne vu d'en haut. Voilà, c'est pas trop moche. Donc voilà, on a un jambon melon revisité.